au moins trois bonnes raisons pour ouvrir la science. La première vise à répondre à une exigence qui est totalement légitime, exigence de la part de la société de plus de transparence dans le processus de recherche, mais aussi de plus d'impact au service de l'intérêt général. La seconde raison vise à répondre à un besoin d'élaboration plus collaborative des connaissances et une exploitation plus équitable de ces connaissances. Et finalement, la troisième raison qui s'inscrit dans l'ère du numérique vise à mobiliser ce numérique plus et mieux afin de disséminer les résultats scientifiques, afin de valoriser les résultats de la recherche et accélérer l'innovation. La politique de sciences ouvertes repose sur trois piliers interconnectés. Le premier qui vise à faciliter les collaborations scientifiques et tirer profit de la science des données pour nos enjeux de recherche. Le second qui consiste à ouvrir le processus de recherche et les résultats à tous les acteurs de la société. Et troisième pilier qui vise à maîtriser les risques et à saisir les opportunités de la science ouverte. Je vais vous parler de trois actions emblématiques qui illustrent le dynamisme d'INRAE en matière de science ouverte. Alors, deux actions sur la donnée, une première autour de la gouvernance des données. INRAE a été précurseur puisqu'il a nommé dès 2020 un administrateur des données de la recherche. INRAE a également élaboré des principes pour la gouvernance des données et est actuellement en train de mettre en place un réseau d'administrateurs des données, à la fois à l'échelle nationale, mais également au plus près des acteurs de la recherche dans les unités et dans les centres. Une seconde action emblématique concerne l'ouverture des données de la recherche. Alors, on peut dire que, fort de son expérience avec le portail Data INRAE, l'Institut s'est vu confier par le ministère de la Recherche le développement de l'entrepôt et du catalogue de la plateforme nationale des données de la recherche. Cet entrepôt rassemblera des données pluridisciplinaires et viendra compléter les infrastructures nationales et européennes déjà utilisées par certaines communautés disciplinaires. Pour finir, un troisième exemple d'action pour le développement des recherches participatives. Donc, nous avons à INRAE des équipes qui accompagnent les chercheurs dans ces démarches. Et puis, par exemple, des actions de formation avec une école chercheur qui va être organisée en novembre sur les sciences et les recherches participatives. Et puis, dernier point majeur, INRAE lance en 2021 le prix de la recherche participative, qui est un moyen de mettre en lumière les projets de recherche dans lesquels sont engagés des acteurs non scientifiques de la recherche.